Salutations rédempteurs et rédemptrices, bienvenue sur la Geek Redemption pour la suite de notre SPS sur Silent Hill 2 HD Collection. J'aime bien faire ma présentation aussi parce que la musique, je l'apprécie énormément. Même si après on n'a plus le droit d'avoir de la musique. Et pendant le petit chargement, je profite de terminer de boire mon thé. Ouais, soit c'est du thé, soit du café, soit c'est de la flotte. Certains d'entre vous, c'est peut-être de la binouze ou autre chose. Alors, je suis dans un sale état. J'ai les trousses de soins, je vais m'en servir. Donc j'avais pas fini de fouiller ici. Il n'y a rien d'intéressant. Parce que j'étais la prise d'arrivant. Juste arrivé, j'ai sauvegardé et j'ai rien fait d'autre. Ah bah justement, il y a une boisson revigorante ici. Un état de dossier. Ah, une machine avec quelque chose écrit dessus. Cette maladie existe potentiellement chez tous les humains, hommes ou femmes, qui, dans des circonstances propices, basculeraient de l'autre côté. Il parle peut-être de maladie qui affectait tous les gens, du coup. L'autre côté n'est peut-être pas tout à fait exact. Après tout, aucun mur ne sépare les deux tendances. C'est un endroit situé à la frontière entre le réel et l'irréel. Un endroit à la fois proche et lointain. Certains ne le considèrent même pas comme une maladie. Je ne suis pas d'accord. Je suis médecin, pas philosophe, et encore moins psychiatre. Moi, je dois parfois me poser la question, soit pour nous, ces songes ne sont que le produit d'un esprit hyperactif, pardon. Mais le patient, lui, y croit et c'est sa seule réalité, et en plus, il s'y sent bien. Alors pourquoi? Pourquoi? Au nom d'Hippocrate, essayer de le traîner durement dans le monde de notre propre réalité. Il y a autre chose d'écrit à la main. C'est Joseph qui m'a donné la clé. Elle doit servir à ouvrir cette boîte. Quelle boîte? Clé de taureau pourpre. D'accord. Une clé de taureau? En tout cas, j'ai pas encore vu de boîte. Bon bah, continuons l'exploration de notre hôpital. Fermé. Fermé. Verrouillé. C'est cassé. Ok. Il n'y a rien ici. Ascenseur? Ah mais y a pas de courant. On peut pas interagir avec ça. Là non plus. On repartira pas là, est-ce qu'ici il y a quelque chose? Verrou cassé, on pourra jamais y aller. Là c'est verrouillé, il faudrait quelque chose, une clé. Bon, très bien. Si tout est fermé, on va aller nulle part. Hein. Ça n'a pas l'air d'être faisable. On monte, on monte. Ah, c'est une porte. Ok, ici on peut explorer. What the fuck? Crevez, ouais. Thank you.
Ça va, niveau cohésion, ils arrivent pas à passer l'un sur l'autre. Un peu plus à gauche. Sont mortes. J'ai préféré encore mettre un petit coup pour vérifier. Putain, je prends juste un coup quand je suis bien dans le rouge. Fermé. Possible d'ouvrir. Il y a quelque chose dans les poches. De la blouse blanche. La clé de salle d'occultation. D'auscultation, pardon. Oh là là. J'ai cru que c'était l'occultation. Un magazine ne me servirait à rien. Oh, un petit poster sexy. Où est-ce qu'elle est la salle d'auscultation? Nurse, non, tac tac, non, des rooms, ça c'est des MDS. C'est pas le plan que je voulais. Examination room, c'est peut-être là-bas. Ok, ça sert peut-être à ouvrir une des portes en bas. Ou à cet étage, on verra bien. Alors, je ne vois rien. Mais elle est là. Elles sont là. Putain, mais je vous ai tué. Vous déconnez ? Je les ai tués, mais non, ça insiste. Madame la fermière, quand je te t'atteins, tu meurs. Bon, la deuxième, elle est sur la gauche ou à droite? C'est là. Mais pas là. De côté. Eh bien, moi je préfère nettoyer avant. On a tout juste plus de portée qu'elle. Dieu, il en fout des coups pour briser le crâne. Ok. Fermé. Il me restait une porte là-bas dans le fond. Et j'ai bien fait d'y aller. On est pour le ch. What's wrong? I just pricked myself. Are you okay? Yeah. Cet homme se blesse avec un ours en peluche. Ok, donc une aiguille tordue. Fais déjà du coca. Ah, fusil, putain, j'ai même pas vu, j'ai cliqué dessus par réflexe. Mort, la mort, la mort, la mort. Une aiguille de peluche et un fusil. Ok. Non, sérieusement? Je vais pas revenir à chaque fois que je vais sortir quand même, ça repart pas en boucle.
que tu veux bien rester morte cette fois-ci? Elle au moins elle est restée morte. Oh putain! Saloperie. Les angles de caméra qui font que tu te fais avoir. C'est bizarre, c'est que j'ai l'impression que nos ennemis sont que des personnages féminins. J'aime, ça aurait-il des problèmes? La manette qui vibre, on va prendre un petit revigorant. Bon, même si j'ai toujours la manette qui vibre. Ok. On va regarder si la clé que j'ai eue sert à quelque chose. Ou pas, je sais pas. Il y a une porte que j'ai pas testée, je crois, dans le fond. Ouais, là c'est là d'où je viens, ici c'est qu'il y a quelque chose. Des balles! Des balles! Pardon Mario! Ok, y'a rien. Oh, y'a du bruit. Trousse de soins. Je prends. Il y a une machine à écrire. Et il y a une machine à écrire, j'en ai pas besoin. Un petit instant, qu'est-ce que c'est? Mes feuilles de papier carbone et restées dans la machine à écrire. J'arrive à lire qui est à premier relief. Je sais, le numéro sur la boîte 4193. Je vais marquer ça quelque part. Au cas où j'en ai besoin. Enfin, c'est mon stylo, vous allez écrire. Je réessaye, il ne marche plus! Ah, ça y est, j'en ai un. 41-93. Voilà, c'est jamais au cas où, il nous en plus tard. Ça ne lui servira plus à rien, je ne crains. Plus le bouton clé personne ne m'arrêtera. Que je suis, qui je suis, je l'ignore. Je suis qui je suis. Qui je suis, que je suis, qui je suis. Oh là là. Tom est malade. Il a des problèmes. Pardon, t'es toujours dans mon passage. Hein. Elle est cassée. Ah. Dame. Ouf. Oh putain, ils sont deux. Ah l'autre la bloque. Oula, oulala, 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 retraite, retraite, retraite. Retraite. Oulala. Maria, bouge. Bouge de là, ça va chier. Je pourrais remettre ma truc. Je pense que là maintenant ça devrait aller. Bouffe. Je comprends pourquoi on n'utilise pas. Faut pas utiliser beaucoup les balles parce que ça part trop loin vite. On le voit, il y a un petit cadenas.
là ici c'est ouvert. Heureusement je récupère des balles. Et une clé même. Clé, l'œil de la pie, ok, je sais pas ce que c'est, et cartouche de fusil. Okay, c'est pas pour le pistolet. Putain, m'ont tellement fait mal que je vais être obligé de prendre une trousse. Oh, bonjour. Je vais vous offrir votre médication, mon dieu. Un grand trou de barre de tuyaux. Je sais pas s'il y a une touche pour les achever au sol. Mais s'il y en a une, je l'ai jamais trouvée en tout cas. Enfin, jusqu'à présent, je l'ai pas trouvé. Je regarde, c'est pas quelque chose d'autre. Une vieille télé, qu'est-ce qu'il dit? Un poste de diffuseur, on dirait qu'il est en panne. Bah, en même temps, il n'a pas l'air raccordé non plus. Et on marche sur son cadavre impunément. C'est fermé. Oula, encore une. Je sais pas ce qu'elle fout toutes comme ça avec des bâtons dans l'hôpital. Je perds les patients. Si c'est leur moyen de les soigner, un grand coup de trick. Revitalisante. Mais je vois rien d'autre. D'accord, bon, on a eu du loot. Bon, bah, on va faire le mytho. Trouver ce coffre comme porte la clé qu'on a eue. C'est là qu'on vient, je crois. C'est ça, la cage d'escalier était ici. On va voir en bas si ça ouvre quelque chose. Sinon, bah, des tapis. Pardon. Ah, comme d'habitude, je reprends ce PNJ, enfin Maria, de nous coller beaucoup trop. Alors, quelle porte ça peut ouvrir? Ok. Merveilleux. La porte de l'étagère est ouverte. Qu'est-ce que dossier? Résultat du laboratoire d'un test de trouble pour la personnalité. Résultat du laboratoire, je ne veux pas lire. Pourquoi tu veux pas lire? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ton test à toi que tu veux pas lire? T'as des problèmes, c'est ça? Il y a des dossiers médicaux sur le bureau, rien de particulièrement intéressant. Des balles? Si tout le monde sait que c'est l'endroit où il faut mettre les balles, bien sûr. Tout le monde le sait. Je spam, non, y'a rien. Téléphone.
Couloir L des patients, troisième étage, 73-35. Heureusement que je note les codes. Hein. Il y a un numéro sur le réfrigérateur. C'est quoi le numéro? Ah, va le lire, vous! 32, 12. Putain, les gars, si vous arrivez à lire, vous avez des putains d'yeux. Ok, bon, on va sauvegarder notre progression. Que si on se fait tuer, ça me ferait chier. De mémoire, c'est ici. Sauvegarde numéro 13. Et voilà. Toc, bon, là, toujours rien à faire, du coup. Je pense pas que cette clé ouvre autre chose. C'est fermé. Ah, est-ce que ça ouvre là? Est-ce que la porte là-bas est ouverte? Est-ce qu'apparemment il y a encore une autre ouverture ici, peut-être? Ah, verrouille cassé. Bon, ça règle la question. Je me demandais si on pouvait y accéder, mais non. On a eu deux codes, ça servait à quelque chose. Alors cet étage-là, on l'a fait. 2F. Trois F. Maria bouge. Déconne pas Maria. Meurt. T'as la musique stressante. Ça va, elle était morte. Merde, ça se cache l'escalier. C'est là d'où on vient. Quel con. Déverrouiller. Ouais, ça marchera toujours pas. Trousse de soins. Yes. C'est fermé, là c'est barricadé, il n'y a que dalle. Bon, bah heureusement que j'ai pas pris cher, ça m'a permis d'économiser une trousse de soins. Et ici. Un code. On va essayer l'un des deux, j'ai essayé par le 73-35. Allez. Voilà.
Bon, bah c'est en tout cas celui-là, c'est fait pour ça. Attendez, boite pas. En revoilà des madames. Allez, approche. Viens à portée. Ici. C'est fermé. Fermé. Oh, qu'est-ce qui se passe, Mario? Ça va pas? Trop d'émotions. James. Wait a minute. Il est infecté, bordel de merde. Tired. T'as été mordu? It's just a hangover. Ah non, c'est juste la tequila. Ok. You should rest. So comfy. Tu trouves ce matelas douillet? T'es pas I'm difficile. Go look for her. For Laura. I'll be back as soon as I can. Ah, mais il y a une clé juste là. De prends la clé. Clé du toit. À toi. Moi, ça, je sais ce que ça veut dire comme clé. I'll be okay soon. Did you find Laura? James, I want to ask you something. Oui, quoi? What if you can't find Mary? What'll you do? I haven't thought about that. I'll be okay soon. Est-ce qu'on a épuisé le dialogue? Did you find Laura? James, I wanna... Ok. D'accord. La deux lignes du dialogue boucle. Hey, méchante labo au fond. Ah, on peut rentrer là. Ouais, quelque chose. Quelque chose est coincé dans le tuyau d'évacuation. Il y a un tout petit trou. Je n'arrive pas à attaquer. Quelque chose de fin. On a ramassé une aiguille. Elle est où, elle est où? Où es-tu? Clé. Aiguille. Ce n'est pas assez long. D'accord. Qu'il faut autre chose avec. Allez, avance. Qui a fini son balai, c'est que c'est mort. Il y a un cache sur le bouton d'appel de l'ascenseur. Ok, donc il va falloir certainement trouver un item pour l'ascenseur. Non, mais sans déconner, il y a combien dans ce couloir? Là-dessus, puis on fera les portes après.
Petit. Merde, j'ai raté. C'est mort. Oh, une sauvegarde. Et une boisson pour être vigoureux. L'hôpital des Maboules. Il y a un message sur le mur. Louise, je veux m'occuper de toi pour... Toujours, c'est mon destin. Ah, mais ça déconne pas. Il y a un cadenas pour la clé, il y a un cadenas pour la code, il y a pas un rouleau. Et... On voulait vraiment pas qu'on l'ouvre, cette boîte. Je vais essayer un des codes déjà que j'ai. Ok, donc le code c'était pour ça. Celui qu'on avait vu. Dans un des endroits, je sais plus lequel. Ok. Par contre, les autres, j'ai pas. À la baladeur, ça va être le bouton d'ascenseur, un truc comme ça. Bon, j'ai un truc de fait. Je re-sauvegarde, je sauvegarde souvent. Mais quand j'ai un pas de sauvegarde, j'en profite. Bon bah comme on a les clés du toit, on va monter en haut. Par où est-ce que c'était? Je crois que c'est là les couloirs. Enfin l'escalier, pardon, la cage d'escalier. Ouais, si. Ah, encore là. Alors là, 3F. Il n'y a rien. Ok. On arrive sur le toit. Ok, tout est grégé pour pas qu'on aille se suicider. Il y a quelque chose par terre, un journal intime. Mon Dieu! Des confessions! 9 mai, il pleut. J'ai passé la journée à la fenêtre. C'est calme ici. Rien à faire, toujours. Pas le droit d'aller dehors. 10 mai. Il pleut toujours. J'ai discuté brièvement avec le médecin. M'aurait-il sauvé si je n'avais pas eu une famille à nourrir? Je sais que je suis difficile et faible. Ridicule et faible, pardon. Tout le monde ne peut pas être fort. 11 mai. La pluie, toujours. Les médecins m'ont fait vomir aujourd'hui. Si je dois me gaver de médicaments... Pour ne pas souffrir, quoi ça sert? 12 mai. La pluie comme d'habitude, je ne veux pas embêter personne, mais je suis un fardeau. Quoi qu'il arrive, est-ce un péché si terrible de capituler au lieu de se battre? Certains pensent que oui, mais ceux-là ne sont pas dans ma peau. C'est peut-être égoïste, mais c'est ce que je veux. C'est trop dur comme ça. Vraiment trop dur. 13 mai, le temps s'éclaircit, les médecins me laissent rentrer, ils me revoient chez moi, je... Ok. Que pouvait bien faire un journal intime ici? Sur toi, oui, bon, bah, j'imagine que c'est quelqu'un de grand secours qui l'a laissé tomber, qui n'avait plus rien à foutre. Ouais, une porte. Qui est fermée. Qu'est-ce que c'est que ça? Non! Pas lui! Oh bordel! Où j'ai pris. Oh. On est mort là, non? Monsieur tête de pyramide. Roi n'est pas mort. Par contre, j'ai un maître qui vibre.
T'as même mis dans un sale état. Où est-ce qu'on est maintenant? Chambre de traitement spécial. Ok. C'est le capitaine, il y a du sang ici. Il y a un message écrit sur le mur. Tourne autour des chiffres, surtout ne pas oublier, je vais les écrire là. L'autre, mon nom secret. Ah, c'est peut-être pour le cadenas. Par contre, c'est putain de mal écrit. Je dirais qu'il y a les deux derniers 7-6. Je dirais un 5. Le premier 1. 15-76. Ouais, je dirais ça. C'est très mal écrit. Pas une page. Premier poster inscrit. Si Joseph Arkham, on peut. Bon, on s'en fout. Y a rien d'autre ici. On a quel étage là? 3F. Cet étage, on a laissé Maria, non? Il aurait été peut-être là-bas, quelque part. Est toujours là. I'll be okay soon. James, I want to ask you. Ok, bon, pas de dialogue en plus. Bon, j'ai eu un code pour utiliser sur le coffre. J'avais dit 15-76, on va essayer ça. Ok. Par contre, il y a des clés. Est-ce que j'ai des clés dans mon inventaire? J'ai des clés. Par contre, on peut combiner. Comment je fais pour combiner? Ne sert à rien. Vas-y, il y a trop pour la carte, en plus je le vois. Peut-être fou de moi le jeu. Ça fait encore un truc de moins.
Ah bah voilà. Attends, tout ça pour un poil de cul. J'ai quelque chose sur la boîte. Non, ce n'est pas... C'est les cheveux. Ce sont ces mèches de cheveux ou ces poils de cul. Bon, c'est tout ça pour des poils. J'hallucine. Regardez bien. Je me... Allez, laisse-moi deviner. Allez, laisse-moi deviner. Les deux là se combinent pour le truc dans les douches. Et si c'était pour faire ça, il faudrait demander à une mèche de cheveux à Maria. Hein. C'est pas un cheveu qu'elle a tué. Hein. Bordel de merde. Si c'est ça. Non mais. Maria, est-ce que tu peux me donner un de tes cheveux pour nous sortir de là? Nope. Oh là là. Voilà comment on fait pour pêcher dans les douches. Clé d'ascenseur. Ah, peut-être se servir de l'ascenseur maintenant. Bon, bah avant de partir à l'exploration de l'ascenseur, on va sauvegarder. Ok, donc maintenant on va pouvoir aller utiliser le bouton, voir si... Où est-ce que ça nous amène pour l'ascenseur? Bon, premier. C'est ouvert. Des balles, beaucoup de balles. Toujours plus de balles. Mon téléviseur montre rien. Ah, là au sol. Balle de pistolet. Bon, je peux pas bouger la caméra, je suppose qu'il y a que dalle. Ok. Des munitions. C'est la pièce aux munitions. Là, c'est la pièce aux jeux d'enfants. La gamine. Viens ici que je te mette la fessée. Je t'en fous des nounours, c'est toi qui as mis l'aiguille dans mon nounours. Laura? You know my name? Eddie told me. That big fat blabbermouth. How do you know about Mary? What's the big deal? Why can't you just tell me? You gonna yell at me if I don't? No. Qui? I won't. Je t'en fous une. Prends le respect. I was friends with Mary. We met at the hospital. It was last year. You liar! Laura... Fine! Don't believe me! But... last year... Mary was already... Elle était morte, Marie. Comment elle peut être... I'm sorry, Laura. Anyway, let's go. We can talk about this later. This is no place for a kid.
there are all sorts of strange things around here. I can't believe you haven't even gotten a scratch on you. Why should I? Ta game, y'a du sang filé partout. Wait, wait! There's something I gotta get. Later, okay? But it's really important. What is it? A letter from Mary. What? I wanna go get it, is that okay? Yes, yes! Genre, elle a une lettre de Marie. Remarque, ça prouverait qu'elle était vivante. Come on, hurry up! Is it in there? Yeah, in the back. What are you doing, Laura? It's further back, in the desk. Laura? Putain la connasse. What are you doing? Je t'avais dit, lui en foutu une. Oula. J'aime pas cette bouche. Open the door, Laura. Why should I? I'm a liar, right? Putain, elle a gagné, elle va avoir droit au revers patriarcat. Huh? Huh? Do ya? What's the magic word? Oh. Laura? Okay, I guess I won't open. Je sens qu'on va devoir se battre. I think I'll just leave you like this. Putain, il y a deux. Snotty little brat, open up! You Laura! You fart face! Oh putain! Sortirie là. Cours! Cours, Billy! Hop, 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 hop. Nom de Dieu! Il tire plus! J'ai raté. Ah, je sais pas où me mettre. Bouge, 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 bouge. Ah, il y en a de mort, il y en a de mort, il y en a qui bouge plus. C'est pas possible, je crois que j'avais pu. Ah non! Laisse-moi! 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 Attends, je suis dans quel état? Bouge, 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 bouge. Cours, 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 va quitter, va quitter, va quitting. Kiting, kiting. Sans déconner. Non. T'es là d'autre. Ils vont le payer cher. Succès verrouillé. On a réussi ? Putain, je crois que j'ai utilisé toutes mes balles de fusil à pompe. Enfin,
chasse peut-être. James. Marie, c'est toi. James. Pourquoi le sol est tout ensanglanté? James. Qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on fout là? Il brasse une balle. Tu peux me dire ce qu'on fout ici? Merde, je crois qu'il y avait même un tuyau. On est où là? Toujours dans l'hôpital? Ah bon, des balles et un point de sauvegarde. Bon bah écoutez les gens, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je sais pas, on est encore d'hôpital mais je sais pas comment on atterrit ici, on verra ça la prochaine fois. Je vous remercie d'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu. Moi je vous fais des bisous, ciao tout le monde.